Ok, on démarre le rec. Comment ça, rec cam fonctionne pas? Nice. Ok! Merde, je voulais enlever ça. On va enlever le compteur de trophées, pour le moment il est pas très important. T'as un mode ultra performance si jamais pour Stalker, si ta CG a du mal. Bah en fait ma CG veut pas avoir du mal, mais en stream! J'ai peur. J'ai peur. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire point d'exclamation. Oh, je sais, on va pouvoir ajouter des points de chaîne. Point d'exclamation, enlève ta cam, fils de pute. Et genre, hop, je m'en vas. Non, c'est pas là. Si, voilà, ça va. Oh, c'est pas magnifique comme ça, là? Regardez. Il a mis des raccourcis sur ses sources et il est heureux. C'est un peu plus compliqué que mettre des raccourcis sur ses sources. C'est beau là, non? Waouh. Papa. Point de chaîne pour enlever le sponsor. Ah non, ça vous avez pas le droit ça. Ça, je vais vous faire foutre. Ok. Bon, je vais me doucher. Puis je vais fermer les collectifs sans mafia. A plus les boys. Au revoir. Bon alors, on en était où? On avait livré de l'alcool à la famille Braithwaite. Ils veulent que... ils voulaient que j'aille les livrer à la famille Grey, à Rose, chose faite. Et on s'est fait fumer par les gars à qui on avait volé initialement l'alcool. Trop beau sans ta grosse tête. Merci le mec, ça fait plaisir. Et du coup, on va ajouter des points de chaîne. Enlève ta tête. Remets ta tête. Je pense que enlever... Oh, je vais ajouter des points de chaîne. Enlève ta tête pour 10 000. Et pour 1000, c'est remets ta tête. Oh, je vais mettre ça. Attendez, je vais créer. Non, mais j'arrête le stream. Je vais le mettre genre maintenant. C'est une trop bonne idée. Et je vais plus m'en souvenir. Des points pour stop le live. Non, par contre, je vais peut-être mettre des points de chaîne pour vous mettre une pub. Oh, attendez, je vais vous rentabiliser les non-subs. Hein. Je trouve que... Vous servez trop à rien en ce moment les non-subs. Pour être poli, hein, pour rester poli. Attendez. On reste poli ici. Mais. Quand même. Merci Skunk pour ton Twitch Prime. Merci mon gars. Merci beaucoup. Alors. Enlève. Ta tête. Pour 10 000. Pour 10 000 points. Enlève ta tête. 10 000. Non, 5000 en vrai. 7500, allez. On coupe la poire en deux. Ok, j'ai mis 75 000. Et remets ta tête. Remets... En vrai, je mets... Remets la cam pour 1500. Voilà. C'est marrant. Ok, j'enlève ma tête. Ah mais non, mais ici, je peux pas. Merde. Ici, je peux pas. Attends, deux secondes. Remets ta... Enlève ta cam. Voilà. Et je vais mettre, ajoute une pub. Pub de 30 secondes. 30 secondes, on va mettre... allez. 5000. Eh, faites pas les chiens, mettez pas dans des moments importants. Ok, c'est bon. Ah bah j'enlève... Ok, bah attendez, deux secondes. Putain, vous êtes très impatients à ne plus pouvoir voir ma tête, les mecs. Attendez. Ok, j'enlève ma tête, je remets ma tête. J'enlève ma tête, pub de 30 secondes. Ah, je peux pas. Je peux pas mettre de pub de 30 secondes. Je peux pas, j'en ai mis une trop récemment. Bon bah du coup le dernier c'était enlève ta cam. Hein. Du coup j'ai enlevé la cam. Le cheval c'est génial. Hein, oui. Et ben voilà, j'enlève ma cam. Hein. Dans l'automatisé, ouais je crois que ça doit se faire. Ok, je remets la cam. Re les mecs. Re. Ah mais vous êtes con, vous dépensez des points de chaîne pour rien là. Google Eyes et Bécassine. Hein? Qu'est-ce que? Oh merde, j'allais sortir mon arme. Catfish Jackson, c'est où? C'est où Catfish Jackson? Attends, je vais voir où c'est. Ma bite. Ha. Ma bite, je vais jusque là-bas. Reviens, deux secondes. Et puis quoi encore? Hein?
Mais il est waterproof le gars en face là ou quoi? Bon! Trouble à l'ordre public, témoin. Ah ça va, j'ai juste fait trouble à l'ordre public. Salut! Bon bah alors du coup je viens de décimer toute votre famille. Accepteriez-vous de collaborer avec moi? Gotham Knights. Un jour j'aimerais bien tester un jeu, ouais. Oh, mes crimes récents. Mais comment ça, un crime récent? N'importe quoi. J'ai rien fait. Bon bah on va voir Dodge, un peu plus clément celui-là. Gotham, moi ouais, j'aimerais bien le faire un jour, ouais. Je suis riche, t'inquiète, que en point de chaîne bien sûr. Ah ouais? Ok, dommage. Dommage que ce soit que en point de chaîne. Je te dis que je t'aurais souillé. Ah, mais ouais, faudrait que j'automatise le truc d'enlever la cam, remets la cam là. Je suis sûr que ça doit se faire, mais je sais pas quand. Vous ne pouvez pas essayer d'armes ou causer de problèmes dans Rhodes. Ah, mais ça va, j'étais juste à côté. Je vais pisser avec la bite, je reviens. Vas-y. Oh, et on a. Oh, attention. Amnova qui prend son 25e mois d'abonnement. Tier 3. Merci, Amnova. Hey, good girl. Merci, Am. Nova! C'est Gay Poe. Salut Zachary. Allez, galope! Putain! Mais cours! Qu'est-ce qu'elle a là, à trottiner là? Chienne de pur sang. Elle commence à faire un bail, ouais, hein? Ça va, tu te ruines pas trop à cause de moi, Nova? Il est en VR ce jeu? Non, il est pas en VR. Ah, peut-être qu'il y a des mods sur PC, j'imagine. Il y a des mods pour tout sur PC. Quoi? Wesh. Oh mais attends, mais je suis mort là. Cheval? Eh, vous avez vu, mon cheval, il reste avec moi quand même. Hein. Putain de sa mère. Alors on va boire un petit truc. Tiens, je me fais agra là, dès le début là, comme ça là. Pas de soucis les gars, pas de soucis les mecs, pas de soucis. Pam, 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 pam. Allez viens là le loot. Un peu mais t'inquiète, ah bah non mais arrête. Arrête, arrête de dépenser de l'argent, ça te met dans la merde mon gars. Tiens je te brosse. Mais brosse là, Isabelle, là, apaisée. Oh, calm down there, calm down. Ok, re petit pomme. Ok. Allez, allons-y. Là, on va voir Dutch, parce que, je sais pas. Pas pour on va voir Dutch. Yodessas, quand ta prochaine vidéo? Jamais, je ne publie jamais. Non, sur la chaîne de Son, il y en a une le 22, une le 24, les mecs. Normalement, vous allez être refait. Enfin, vous avez trop fait. Le mois d'octobre, il finit bien, quoi. Et c'est deux bons jeux. Bon, après, tous les jeux sont excellents, hein. Je suis jamais dans la D, tout est réfléchi, ok. Vas-y, Logan. Putain, tu vas regarder un film à 18h. Super Meat Boy? Ouais, Super Meat Boy dans une des deux. Super Meat Boy. J'ai dit octobre? Novembre, pardon. Novembre. Alors qu'est-ce qu'il me veut de Dodge Wonderlines? Attendez, putain, j'ai rien à faire là au chapitre 3. Non, je crois que j'avais tout fait au chapitre 3. J'avais tout terminé, je crois. Ça va les montages des vidéos, vous êtes pas trop sous l'eau? Bah là, il y a Axel, je crois, il a une vidéo pour dans deux jours à rendre. We're in some disease-ridden, swampy, Dixie-whistling shithole. I meant about what Trelawney said about these bounty hunters. Well, not sweating as such, but maybe a little gentle perspiration. Until we know more, ain't too much harm in wasting good liquor on sweating. So? So, I think you should pay Mr. Trelawney a visit and find out exactly what he knows and who he spoke to. C'est ce que j'allais faire, Dark Sasuke. Take Charles with you. Oh, the sight of the pair of you would make a statue sing out its secrets. Okay. Ah, je suis mute. J'ai vu une discussion hier sur la vidéo organique, ça m'a fait très rire, tellement ça n'a aucun sens. Oh, je regarde même plus les commentaires, moi.
C'est quoi ça? Il y a eu plein de nouveaux points de chaîne, petit pomme. Il y en a eu trois. Ok. Come on. Non, non, le deuxième, c'est pas GTA 5. GTA 5 n'a même pas commencé à être écrit. D'ailleurs, Axel, t'as toujours pas besoin que Poyo s'écrive les OP. T'as toujours pas besoin d'aide. Enfin, écrive, monte l'OP. Ou quelqu'un d'autre, peu importe. Ah bah, j'ajoute que sur Play Amnova. En ville! Trelawney! J'ai envie de lancer une pub. Bah, je crois que tu peux maintenant. Parce qu'attention, les pubs, on peut en mettre que toutes les 30 minutes, je crois. Ou toutes les 10 minutes. Faut rembourser la pub, on l'a pas eu. Tu veux que je la mette? Bah attends, je la mets. Voilà, c'est bon. Non mais ça va être insoutenable. Ça va être insoutenable. Désolé. Si, vas-y, je cante celle-là. Bah en vrai, tu peux, hein. Si t'as qu'à la moitié que tu veux que Poyo se finisse, tu peux, hein. Si ça te permet de plus travailler sur la vidéo FNAF, moi je préfère. Hein. Tu vas vite regretter. Bah surtout les non-subs qui vont regretter. Non mais je vais mettre un timer, enfin genre, je vais mettre un truc comme quoi on peut pas le mettre plus de 30, enfin, toutes les 30 minutes minimum quoi. Someone got here first. So it seems. By the looks of things, it wasn't a social call. Check the house. Ok. Tu as l'œil de lynx pour trouver des indices. There's some blood here. That ain't good. Trelawney. Mais frérot. Bah alors j'aimerais bien trouver des trucs si tu me laissais genre. Mais bouge. Bouge. Oh quel enfer. Ok, il y a le tiroir. Il y a une deadline. Oui, oui, ils la veulent 21h en gros. Ouais, ils la veulent pour 21h en gros. Je viens vraiment de répéter ce que je viens de dire. Mais... Du coup là on retrouve le Trelawney. Un gars qu'on a perdu. Compagnie minière de Tacitus Kilgore. Les présents documents certifient que possède part dans la compagnie susnommée. Conformément aux dispositions de mémorandum et des statuts applicables et que la somme d'un dollar a été payée pour l'achat de dites par... C'est quoi ça? C'est un certificat d'achat? Ah oui, ouais, ça va, je suis large, ok. J'ai pas compris quelle heure. 20h, 21h, quoi. 20h30 serait le top, comme ça, ils peuvent avant de partir, mais tu sais, c'est genre, ils arrêtent à 21h, donc bon. Yep. Yep. They went down the path here. Ok. Let's follow the road. Ok, on va là-bas. Comment on voit ce point de chaîne? C'est en bas du chat. Skino. Ouais, mais là, comment je fais? Je peux pas suivre la piste simplement? Parce que là, je suis en train d'utiliser tout mon sang-froid pour. Ah, il est là. Ah non, c'est pas lui. Mais c'est pas. On dirait Dutch. Excuse-moi. Have you seen him? We're looking for our friend. I don't think he's here. Je disais, petit pomme, qu'on peut gagner un van. Un camion pompier. Sort of formal? Strange? Sure. Formal? Nah. He uses a cane. Looks a lot like this one. Oula. Ça sent les embrouilles. Where the hell is he? We both better get out!
Allez, on va se battre. Ça me plaît. Ça me plaît la bagarre. Ouais, tu vas pouvoir gagner, petit pomme, si tu commandes du 24 novembre au 2 décembre, tu vas pouvoir gagner un camion pompier au lit. Sale fou, tu as platiné Elden Ring, vraiment. C'est rien du tout Elden Ring, mon gars. Tiens! Bon, on bute, hein. Comment ça, les champs de maïs, c'est la famille Gray? Ah non, la famille. Ok. Tiens, je te trangle. Chien, ouais. Voilà, ça t'apprendra. Bon, en tout cas, mon honneur, elle est bien, là, pour le chapitre 6. Ça fait plaisir. Si je me suis pas trompé de mission. Pour l'or, inspecter tous les indices dans la roulette de Tremmeyer, restait au moins de 10 mètres de 13. Ah non, mais j'aurais pas. J'ai pas eu tous les indices, je pense. Merci, Nova, pour les 1500 bits. Merci, mon gars. Jamais dans la Hesse. Merci. Merci, Nova. Merci pour ce soutien dans ce mois. Un peu plus compliqué que les autres. Mais est-ce que je m'en branlerai pas un peu? Si, complètement. Merci, mon gars. C'est très gentil, Nova. Could be any one of a hundred things. Just depends if any of them involve us. You think he'll talk? Of course he'll talk. Je viens de voir que j'ai eu ma prime de fin d'année, donc tranquille. Travaille dans quoi déjà, Mnova? Non, je savais pas du tout, Ivanoé. I don't know why Dutch still deals with him. Always disappearing for weeks on end. He's got his uses, and well. Loyalty matters to Dutch. Of course. But is Trelawney loyal? Loyal? Kind of. Oh, comment le jeu? Bah, il est excellent le jeu. J'aime beaucoup le jeu. Exactly more, Parc et jardin. Oh, c'est mignon comme travail. Avec les petites fleurs. Putain, c'est mignon comme taf. Et c'est quoi, genre. Tu travailles dans un magasin de fleurs? Ou c'est vraiment genre dans un parc? I mean, how much time have we wasted getting this fool out of trouble? He somehow manages to be both lucky and unlucky at the same time. C'est bon, ton honneur, ok. That's one way of looking at it. Ok, Mnova, putain, sympa. But he always finds some way to pay us back. Just when we think about cutting him loose, he brings us something big. I guess that's his special talent. Keeping fish on the line. Désolé, j'essaie de lire le chat et en même temps lire l'histoire, mais c'est pas facile, hein. Par rapport à GTA, est-ce que les sauts uniques étaient bugs de ton côté car en moto lequel de GTA, le 5 ou parce que Vice City, oui, moi c'était bugué. Le 5, non. Non, le 5, non. On sait pas encore, ok. Taillage de haie, tombe. Ok, putain, sympa. Je vais me retrouver à planter des petites plantes annuelles, ok. C'est mignon. Putain, mais pas loin d'ici, il a dit le gars de tout à l'heure. Hein. Pas loin d'ici, c'était là dans la petite cabane là? C'est celle-ci? Ouais. Ok. Let's get you out of here. Come on, boy. The thing is, after that shack, this will be remembered like a good time. Put the man down, gentlemen. That's a lot of them. I think so. So you're alive. Ah non, moi Psycho, ça a marché, ouais. Go get them out. I can handle this. Quoi? Ils sont pas morts là? Comment ça ils sont pas morts? Ah mais c'est que j'ai un fusil à pompe à la con là. Je crois qu'il y en a un là. Il y en a un pas loin. J'entends, il est là. Où ce chien? Commence à te plaindre des trajets en cheval. Non, non, je me plains pas des trajets en cheval. Je dis juste que j'arrive pas à lire le chat et les trajets en cheval en même temps. Attendez.
Là, je peux aller voir simplement, non? Là, là. Mais attends, est-ce que je suis juste en train de fumer des Braithwaite là? Oui, complètement. Ok, d'accord. Et on est censé deal avec eux, juste après. C'est la deuxième fois qu'on dessine... Putain, comment on dit? C'est quoi le mot déjà? Je sais plus c'est quoi le mot. J'ai dit tout à l'heure le mot, mais j'ai aucune mémoire. Bon bref, qu'on bute des gars de leur famille. Et ça va, aucun problème. Décime, merci, putain. Oui, décime. Je sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai une mauvaise mémoire. Oh. Ah merde, c'est mon gars, ça. Il est où, le dernier? C'est lui, par terre? Tu regardes quoi, mon gars, là? Fais le champ de maïs avec Charles. Oh, pardon. Pardon, je t'ai bousculé. Oh. C'est-à-dire qu'il a poil. Youhou. Youhou. Loulou. Le mec tout nu. Ah, je cherche. Est-ce qu'il est pas en dessous? Non. Mais toi, tu fais quoi, là, au lieu de... Oh ah d'accord, ok. He's mine. Let me take him. Get out of here. You have my friend. He's not your friend. I'll give you money. Oh. Ah, ça se voit. Ça se voit que t'es un indien, toi. Bravo. Bah attends, on va le fouiller, on va prendre son argent. S'il a de l'argent, s'il dit qu'il a de l'argent, ça veut dire qu'il a de l'argent dans ses poches. 25 balles, ah oui, pas mal. Putain, c'est marrant, ça. Vous voyez, le mec, le PNJ, il a dit, ouais, j'ai de l'argent et tout. Et il en a vraiment. C'est sympa. Oh la vache, non, je me suis pris une balle, là. J'ai pris une basse sauce de ouf, là. Ouf. Attends, il est toujours pas mort, lui? Voilà. Ok. Nice. Qu'est-ce qu'il a dit, Axel? Bah non, mais dans le même genre que... dans le même genre que Marvel Snap, je pense à genre... Hearthstone, quoi. Mais bon, faut pas les montrer, faut pas montrer les jeux. Putain, mais t'es au début du coup, Axel? Mais t'es sûr que ça va être pour 21h, là? Récupe les armes, non? Mais non, mais j'en ai sur mon cheval des armes... calcifères. Hein? T'as pas compris, la page Steam me propose un jeu de cul. Ah ouais? Ah, c'est marrant. Ah, si, j'ai vu, j'avais vu le gros cul, là. Bon, qu'est-ce qu'il veut? Putain, j'aimerais trop avoir sa coupe de cheveux. Ah, lui, là. Ah, pardon. Not much. I told them I was an intellectual. Come down here from Oregon, looking for a job at the university. Of course, they didn't believe me. Seems you stirred up quite a hornet's nest in Blackwater. So I keep hearing. It might be best if I stay with you, gentlemen, for a while. Can't go back to that caravan now. All right, Charles, you take Trelawney back to camp. Okay. Allons-y. Mission terminée. L'algorithme sûrement. Oh, c'est un cul en plus.
Ah, c'est un cul et des ins. Putain. Ok, je viens de comprendre. Civilization. Alors, est-ce que j'ai... Tiens, j'ai peur. J'ai fait les activités, j'ai fait les autres trophées, et j'ai fait... Ouais, j'ai tout fait. J'ai tout fait au chapitre 3. Faut vraiment que je fasse gaffe. Non, faut que je fasse gaffe. Faut pas que j'oublie. Oh, il me manquait quoi? Je pense, c'est sûr, c'est tous les indices dans la maison. Ouais, c'est ça. En moins d'une minute, ouais. Fais voir. Non, non, non. Je vais me faire ban. Si vous voulez savoir, c'est Town of Sins. Town, comme la ville. Et Of Sins, S Of et S-I-N-S sur Steam. Pour aller voir si ça vous intéresse. Mais franchement, aller voir sur la page Steam, on dirait pas. Genre, on dirait pas un... On dirait deux Q. Trop bizarre. On dirait un Q qui est... Pouah, c'est bizarre. Ah. Qu'est-ce qu'il veut? Online est vraiment pas fou, on se fait chier. Sur Red Dead, tu parles? Oh, il a plus de jambes. Salut, loulou. Ouais. Bah ouais, si tu veux, mon pauvre. Tiens. Et vous m'avez dit... Quoi? This town lost its goddamn soul a long time ago. Nothing but nasty, miserable people. T'as vu, Pepito? Yeah, ever since them Greys moved here, a bunch of no good white trash. And they somehow got rich about 50 years ago. Donc les Greys sont même pas appréciés dans la ville. Reckon they was Yankee spies during the war and everything. That's so. Yeah, sure. Et vous m'avez dit que genre si je saluais tout le monde. Ça allait augmenter mon honneur. Ouais, ça augmente mon honneur, ça. Acheter un journal. Ça lui fait plaisir. Ouais. Là, t'es content? Chien, va. Hello, gentlemen. After before, I'm sure wary of you. Howdy. Ah ouais. Ça augmente un peu mon honneur. Ah oh bah oui, ça se vend bien ce genre de jeu à Minova. Oh, salut! Putain, mais c'est quoi là? Elle a des... Elle a des pains d'épices sur la tête. Oh, c'est quoi ça? Je vois rien. S. Je sais pas. Ah, il y a du caca. C'est marrant. Bon, c'est fou hein, les détails qu'il y a. Il y a vraiment plein de détails. Bon, du coup, est-ce que je peux y aller là? Oh putain. C'est quoi ça? T. Joseph Trelawney. Ok. Trelawney souhaite vous parler. Michael Bell, qu'est-ce qu'il veut? Il souhaite vous parler, ok. J'ai vu le jeu, ça m'a fait très rire. Ah ouais? T'as envie de le faire? C'est juste pour rigoler, hein. Merde, pardon. Pardon, le cheval. Non, mais garde tes points, mon gars. Qu'est-ce que tu veux, là? Qu'est-ce qu'il fait avec ces machins, là? Ranger. Mais oui, range-moi ça. Je te caresse, je te nourris et je te brosse. C'est juste pour rire, hein, que tu prends le jeu, Psycho, hein. Juste pour rire. Pas de PC, dommage. Oh, je suis quasiment sûr qu'il fait tourner sur pas mal de plateformes. T'as déjà plein de jeux en tête que tu as platine. J'en ai trop, mec. J'en ai trop. J'en ai vraiment trop. Il sort quand Black Myth Wukong en boîte déjà? J'hésite à me le faire ce jeu là. Tu peux m'en conseiller quelques jeux play s'il te plaît à faire? Bloodborne, The Last of Us. Astrobot, vraiment que sur play, hein, des exclus play. Demon's Souls, c'est vraiment, t'aimes bien les jeux de merde. Merde, c'est de l'autre côté. 31 décembre. Ah bon? Il est sorti. Non mais moi je le dis en boîte, hein. Version physique. Décembre, si tard? Ok. Ouais, j'ai vraiment plein de jeux en tête.
Mais je vais essayer de faire des jeux, là, prochainement, des jeux... Comme j'ai envie de faire une pause des jeux très durs et très longs, je vais faire des jeux prochainement, qui, je vais pas forcément sortir en vidéo, mais des jeux d'actualité, genre des jeux qui viennent de sortir et tout. Que des exclus play, ouais. Bah les God of War, The Last of Us 2, je sais pas si c'est sur PC, God of War, Astrobot, Demon Souls, Bloodborne, Grand Turismo 7, si t'aimes bien les voitures, 12 décembre. Bon bah faut savoir. Ouais. Dis Siri. Attends, je vais demander à ChatGPT. Je vais demander à ChatGPT. Quand t'as une question, tu demandes à ChatGPT. S'il veut bien, ouais. ChatGPT. Quand sort la version physique de Black Myth Wukong sur PS5? Spider-Man, ouais. Le 12 décembre. C'est le 12, effectivement. Ok. Alors les Greys, c'est qui est là-bas? C'est Ozea, je crois. Can I help you? Well, it looks like you boys had some trouble. Yeah, we had some trouble. Bad trouble. What you want? Oh, I was supposed to meet some business partners here. They arranged a meeting, I believe. Fellow with a scar and a Mexican. Yes, sir. Out by the stables, I think. Yes, sir. Thank you. And sorry for your trouble, man. Excellent. D'ailleurs, j'ai vu un truc qui va me rendre heureux. J'ai vu que la franchise From Software, enfin des jeux From Soft, risquerait de se faire racheter par Sony. Oh, c'est excellent. Ça veut dire exclu PlayStation pour les sorties From Software. Oh là là, quel bonheur. Quel bonheur. Bandits attack my fields. And have you met my partner, Arthur Morgan? Non, c'est John, c'est pas Ozea. Ozea, c'était l'autre famille. Okay. Mr. Gray here was saying how he had problems with a family. A family of degenerates. Oh, hell, nobody likes to... Elden Ring et tout, Kamek. Dark Souls. They ruined this county. They killed my uncle, you know. That ain't right. Problem is, we can't be seen to get too close. And? We've got gold, Yankee. We've got gold. I ain't no Yankee, friend. I ain't nothing. My daddy came over on the boat from Scotland. I'm Scottish. And the Braithwaites? Pourquoi, quel bonheur? Bah, ça veut dire que les jeux FromSoft seront des exclus PlayStation. Ça veut dire qu'il y aura plus de gens qui achèteront des PlayStation, et moi ça me refait. T'es Jobber. Over in Clemens Cove. Donc là, on va aller chercher des chevaux. Mister, you got yourself a deal. Mister, you got yourself a deal. Just keep us away from this, publicly, I mean. My sense is we keep all horse wrestling away from the public. Chapitre 3, Jobron. Le chapitre 3, je crois que c'est pas l'un des plus longs, si ce n'est le plus long. J'ai pas vu le nom de la mission. C'est... Merde! Je crois que j'aurai pas le nom là tout de suite. Je sais pas où je peux voir le nom actuellement. Ed. Non, bon, c'est pas grave. C'est une mission où on va voir John qui essaye de faire copain-copain avec la famille de Gray pour se les mettre dans la poche et soutirer tout leur thune, quoi. Non, le 2018, le 2018, Kamek. Pas le Ragnarok. Ragnarok, il pue, je trouve. On va finir le jeu plusieurs fois, non. Non, 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 pas du tout. Non, une fois si je loupe rien. Ah,
They must be rich. Yeah. He doesn't know what he's talking about. Non, c'est pas ce chapitre. Ah ouais? So how are we gonna play this? The place is well guarded, so there ain't no point in blasting in there. Parce que moi, dans mes souvenirs, j'avais regardé vite fait le nombre de missions dans chaque chapitre, et je crois que c'est celui qui en avait le plus. Ou alors kiff-kiff avec le 5, je crois. Ok. Careful, there's a guard. I'll speak to him, okay? All right then. God damn it! Can I help you, gentlemen? Tu penses à se froid, les remakes des premiers God of War? Horses? Qu'est-ce qu'il fait? Vous avez vu mon cheval, ce qu'il a fait? With Mr. Braithwaite, I believe. Yeah, I never heard about any of this. Our partner wanted to make a significant investment in some stables down here. But perhaps we should look elsewhere. Well, I... Okay, then. Jamais Vortex, jamais. Je pense non les, je pense pas que les, je vois pas, je pense pas que les anciens God of War se font remake. À mon avis non. Non non. C'est quoi le remake que vous attendez le plus vous? Genre si il devrait y avoir un remake qui sort. Un remake hein, pas un remastered. Un remake, vraiment remake. Moi, ce serait... Je pense que ce serait Fahrenheit. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent Fahrenheit. Si, je crois que Rosen connaît Fahrenheit. Ou Bloodborne. Code Black Ops 2 ou le 1. Non, pas un remake. Moi, j'aurais fait un remaster, tu vois. T'as beaucoup avancé sur la vidéo Super Meat Boy ? Elle est finie d'écrire, ouais. Finie d'être écrire. Skyrim en remake? Non. Non, non. C'est quoi remake? Remake, c'est vraiment, ils refont quasiment tout le jeu, quoi. Enfin, genre, ils font pas juste, ils mettent pas juste les graphismes en HD, genre, ils retravaillent vraiment le jeu, les défauts qu'il y avait, ils les corrigent, une correction graphique, etc. Et donc là, on va leur voler le cheval. Mais quand tu dis, il faut que j'y aille. Tu prononces le son L? Peut-être. Oui, je sais, il y a plein de gens qui me disent que je prononce mal le J. J-I. C'est comme. Comment faut dire? J-I. C'est J-I. Faut dire J-I. Faut que j'y aille. Yeah, you do. Come on. Listen, why don't you get out of here? You, Scarface, and your greaser buddy. Whoa! I don't like officials. We ain't officials. We're connoisseurs. C'est bizarre. Moi, j'arrive pas à me dire J-I. Faut que j'y aille. Faut que j'y aille. C'est nul, j'y aille. J'y aille. C'est mieux, j'y aille. Faut que j'y aille. J'y aille. J'arrive pas à me dire. Oh. Bisous, Nova. Saratoga. Unofficially. Oh là là. Silence. Mais. Attendez, donc là, il y a le pur sang blanc. J'aimerais bien le tenter, le pur sang noir. Oui, bah oui, personne ne va nous reconnaître, bien sûr. Laisse-moi le... Non ! Mais non ! Mais j'ai déjà le blanc ! Mais j'ai déjà le blanc ! Hein, je pars pas ? Ah oui, gigot ! Ok, c'est ce que toi, tu veux dire, ok. Ok, je vois. Oh, il y a des belles chicots, hein. Javier, you're gonna lead the stallions. Whoa, easy. En moins de 10 secondes. Mais comment je fais en moins de 10 secondes? Il veut pas l'arabe, hein. Il veut pas le pur sang, là. Allez. Il veut pas. Allez! Mais il est complètement con mon personnage aussi là. Allez, viens là. This way. Come on. Mais.
Mais tu putain le prends, oui? Oh. Marston, you right point. I'll cover up the back if there's any problems. Regroup. Ah, ça chie. OK. Chapitre 3, Lulu. What are you doing? Let's go quick. Go, get out of here. I got the back. What the hell you doing? Bah. Et vous m'avez dit, c'est 5 tirs en pleine tête, ok. Non mais jamais j'ai le... Jamais j'ai eu les talons en moins de... En moins de 10 secondes. Allez, tire. Enfin, tu as 5 gars au bout de 3 heures. Ouh! GGCFF. Ok. Je pense que les tirs à la tête, je vais les avoir. Aïe. Ok, pas sûr. Ouais, c'est bon. Je crois que les tirs à la tête, je vais les avoir assez large. Je sens que le convoi de chevaux, on va nous le refourguer. On a toutes les tâches ingrates de la bande. Merde. J'arrive. C'est bon, mais... Putain, mais le noir, il est beau, hein, quand même, hein. Colle les talons pour le choper à vie. Ouais, bah là, c'est mort. Ouh. Lequel, lui, là? Celui tout à droite, là? À gauche, c'est un marron. Il a l'air fin, aussi. Ouais, ça va être à moi de le faire, 100%. Regardez. Ah non. Putain. Oula. Eh voilà, c'était sûr. Attendez, mais je peux l'étudier en même temps, non? Faut en profiter pour l'étudier. Même si vous relâchez, ok. Faut faire comment pour avoir des peaux parfaites? Ça dépend, il faut que tu tues les animaux avec des armes spécifiques. Genre, chaque animal a son sa gamme de d'armes avec laquelle faut le tuer. Non, non, ça garde pas les défis, justement, Gremlins. C'est ça qui est dur dans ce jeu, c'est que ça garde pas les défis. Il faut refaire la mission avec tous les défis réussis en une seule fois. Non, j'ai ni fait Breath of the Wild ni TOTK. J'hésite un jour à les faire, mais il n'y a pas de trophée dessus, donc c'est chiant. Je suis en platine aussi en ce moment. T'as pas loupé tes trophées manqués. Mais quel chien! Me donne un coup de pied! T'as pas loupé des trophées à Gremlins? What you boys want? Heard you was, quel chien ce cheval là. You pay good prices for horses. Oh, we'll buy devenu addict au trophée. Mais j'ai toujours été addict au trophée, hein, psycho. Sure, Pop. I'm Clay Davies. That's my brother Clive. We're twins. John, Arthur. C'est Billy Boule. So what are you? Cuban? No, I don't like Cuban. That's so? Maybe. Why, what do you care? You ain't Cuban. Maybe I like Cubans. Ooh, you're funny. Okay, Gremlins. He's funny. Ain't he funny, Clive? Clive don't talk. We're twins, but I was born first. He came out all yellow and black, but he's okay. But he's okay. Sure. Yeah, I know these horses. They ain't yours. But I like you, and I'll give you... I can give you 650 for
I was told we could get up to $5,000 for them. And I was told the moon was made of ladies' tears. Only it ain't true. Not one little bit. But... I like you boys. But I ain't got more than 700 on me. You want it, or you want to ride them fellers into town, and maybe someone there will hang you. We're gonna need more than that. I ain't got no more money. Bah, menace-les. Take it or leave it. Uh-huh. All right. You goddamn fool, Marston. Ain't no one around here got $5,000, boys. Mm. But nice meeting you. See you boys again, I hope. Come on. Yeah. Close okay. Salut Néfé. Néfé Roupitou. Bon, c'est pas mal, $500. Pour 3 chevaux. Mais il n'y a pas de succès ou des sortes de trophées ou d'achievements, même des achievements internes sur TOTK ou Breath of the Wild. Oh, médaille d'or ou je rêve là où c'est bronze ça? C'est médaille d'or. Ah ouais. Ok. D'accord. Non, il n'y a rien. Et il n'y a même pas genre une sorte de guideline 100% fait par la communauté, genre une sorte de pensée collective où genre on a tous dit ok, si tu fais ça, t'as le 100% du jeu quoi. Ah, c'est peut-être ça, Gremlins. T'as raison, Gremlins. Bon après-zen. Ok, je vais remettre pour cheval. Ouais, Trelawney. Attends, mais c'était lui, le beau gosse de tout à l'heure, là, qui avait une coupe... Ah oui, c'était lui. Salut, Astronomade. Well, I know you think I'm just some effete buffoon. What? A man of words and not of action. Hardly a man at all. Well, I think you're as slippery as... Putain, j'ai mal aux yeux à cause des lumières, là. Ils sont en train de me niquer les yeux, les mecs. I think I've found something interesting. Yeah? Have you ever robbed a stagecoach? No, never. I would have even thought. Of course I robbed a goddamn stagecoach. You know I have. And what's the problem with stagecoaches? The armed man. Attends, je vais un peu éteindre les lumières. Not quite. The odds. I mean, is it worth the robbing? Sometimes. I know. But, well, if you'd like to come with me, I can introduce you to a new best friend, and he's going to give you all the decent, robbable stagecoaches a hot-blooded degenerate could require. Well, I could require a whole lot. Ok, eh ben on va se faire de la thune pour voler en volant une diligence. Les missions sont vous faire repérer termination en moins de 8 minutes et 10 secondes. Ouais, mais c'est ça le problème. 8 minutes et 10 secondes, je peux pas parce que je peux pas skip les cinématiques. À moins que les cinématiques ne comptent pas. Si tu récupères les 900 noix Korugu, tu as le 100% sur Breath of the Wild. Ok. Et du coup, c'est lequel meilleur? Ok. Bon bah du coup, les 8 minutes 30 déjà c'est mort parce que mon cheval est en train de canner. Et du coup, c'est lequel meilleur Zelda? Breath of the Wild ou TOTK? Tears of the Kingdom. Cinématique compte dans le temps. Bah c'est mort. C'est mort. Salut Ney. C'est ça qui est chiant avec les missions qui sont timées. C'est que genre pour moi, elles sont quasi impossibles. Hein. Ouais, de ouf, on aurait dit grave un saut Trial Fusion. Breath of the Wild, le premier. Ok. Putain, Breath of the Wild. BETW large. Mais pourquoi, c'est qu'il est nul ou quoi, TOTK? TOTK de loin. TOTK c'est la suite. Faudrait qu'un jour je me force et que je fasse Zelda. Hein. Oh. Atteignez le niveau d'affection maximale avec un cheval. Oh bah tiens, dans la vidéo... Ah bah ça y est, la terre entière, quand je sortirai la vidéo Red Dead Redemption 2, la terre entière saura que je déteste Breath of the Wild. Et j'en ai jamais fait. Incroyable. Incroyable. Trop marrant. Ok. Bon, pardon. Alors, du coup, ça fait un trophée en plus? Ça fait un trophée... Merde! Ah ouais, du coup, faut que je les change là, les trophées.
Attendez, pardon. Eh oui, du coup, vous les voyez pas, faut que je les change. Eh ouais, merde. Eh ouais, du coup, pour faire ça, il faut que je les mette quelque part d'autre, mais du coup, vous les voyez pas. Ok. D'accord, ok. Ok. Bon, de toute façon, j'ai même pas relancé la règle parce que j'ai rien à faire là depuis. Ah merde, j'ai enlevé ma cam, pardon. Hello, Alden. Hello, Josiah. How have you been? Josiah? And you, friend? Like I said, times are tough. My missus is a bad woman. Terrible woman. They often are. But how's work, Alden? Terrible. Wages got cut again. They reckon they just invented a new horse's carriage. <clears throat> They've been saying that nonsense since they invented the wheel. The weakness of bosses. I know. My comrades here and I are greatly discouraged from the adequate fulfillment of our duty. A discouraged man is no man at all. C'est une discussion du Carrefour, là. Man at all. My friend Arthur here has a present for you. On est à la caisse du Leclerc. Hein? Puis il y a le don. Ain't you kind, sir? Call him Arthur. He's one of us, a fellow man of distinction. Okay. Well, this is perfect timing. I think you'll like this one, Josiah. It'll be coming Allons braquer. River Road through Siltwater Strand. Thank you, Alden. Thank you very much. Oh, thank you Josiah, very much. If you or Arthur are ever out Strawberry Way, ask for my colleague. Ouais, Kamek quand même. Le design est vraiment bon. He's also one of the What did you call us again? Discouraged men, Alden. That's it, discouraged men. I like that. Well, goodbye Alden, or should I say en fait, c'est cette lumière qui me nique les yeux là. Ça change pas mal en vrai. Cette lumière-là que je viens d'éteindre, elle me nique les yeux, mais tellement. Ok, du coup, la diligence va passer par la rivière. Coup de cœur. Tu as acheté le jeu, du coup? Lequel? T'as dû acheter le jeu? Ah, dû acheter lequel de jeu? Okay, let's go this way. Allons-y. Alors du coup, mon cheval va plus vite. Tiens donc. Attendez. Ah bah petit pomme. Oui, j'ai oui, enfin petit pomme en fait, le jeu que j'ai là actuellement, c'est le jeu Day One hein, c'est la précommande, c'est toujours le même jeu que j'ai depuis le début. C'est le jeu que j'ai précommandé. J'avais précommandé en 2018 et c'est toujours le même. Salut Ricodo, je l'ai gardé depuis. Didn't sound like you left anyone alive to recognize you, so I wouldn't worry too much, dear boy. All this trouble, you gentlemen are becoming quite the celebrities, aren't you? Soon you'll be on the front of a dime novel. And dead, of course. Non, non, petit pomme, non, non. J'utilise quand je joue en bas. Quand je joue en off. Quand je joue en off, j'avance pas dans l'histoire. Ça avance tranquillement, Ricodo, mais après, le jeu est long. Hein. C'est la première étape, faut le finir. Mais je pense que le jeu, j'y jouerai un peu en off. Des fois, j'ai envie d'y jouer le soir, mais j'ose pas. Mais en vrai, je vais me permettre d'y jouer. Désolé. Better safe than sorry. So what were you thinking? Well, according to this, the loot is located in a strong box, which is in the back. Puis j'ai envie de. On a little performance, and you can scurry around. J'ai envie de profiter de ça aussi là. And how do I open the strong box? J'ai envie de jouer là-dessus un peu. Petit truc là. This should work. And I can do this silently? Well, I'm hoping complete silence won't be necessary. But you're going to wish you had your earplugs. This is Damson,
Oh, very good, Alden, very good. Of course, if anything goes wrong, you can wave your guns around like you normally do. Tiens, Flo, ça va quoi? They'll be here soon. Ok. Mais ouais, je vais me permettre de toute façon. Oui, il y a une mage sur le PS Portal, ouais. De toute façon, je pense qu'en vrai, les jeux. En fait, moi, je partais du postulat de. Si je fais un jeu en live, si j'ai envie de platiner un jeu, je le fais entièrement en live. Mais en fait, le problème, c'est que. Je me dis. Les histoires des jeux qui sont sortis il y a plusieurs années, tout le monde les connaît. Et quasiment personne découvre le jeu. Ou alors, si vous découvrez le jeu, bah, vous venez en cours d'histoire et vous êtes perdu. Du coup, je me dis que si je fais l'histoire de mon côté, mais des fois aussi en live, hein. Mais des fois en live, si je le fais de mon côté, c'est pas grave, quoi. Moi, je découvre. Oui, mais par exemple, t'as pas suivi les lives de A à Z, je pense, Linay. En fait, c'est pas en mode je vais faire le jeu de mon côté. C'est juste, si des fois j'ai envie de jouer un petit peu en off, ben c'est pas grave, au pire je vous ferai un résumé. Salut Skiruaz. Ça m'arrive plein de fois de. À 22h, je suis sur mon canapé, je sais pas quoi faire, bah ben, je fais rien. Parce que je m'interdis de jouer en off. Y'a même pas, je fais des trucs à côté en même temps. Ouais, je vois. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, faut que je fasse quoi? Ouais, faut que je suive la diligence. Par contre, j'ai 3207 balles, mec. Je sais même pas quoi en faire. J'ai trop de thunes. Je suis là pour la personne, pas pour le jeu. Oui, non, mais je me doute. Okay. Faut pas que je me fasse repérer, du coup. Attendez, je vais continuer à expliquer un petit peu après. En fait, je me dis, des fois, tu vois, par exemple, là, on est quasiment parti pour 2-3 semaines de full histoire sur Red Dead si j'ai envie de le faire. En fait, je me dis, des fois, si j'ai envie de faire d'autres lives sur d'autres jeux, par exemple Stalker 2, demain, j'aimerais bien y jouer, bah, ça me permettra quand même d'avancer sur Red Dead de mon côté. Fouiller le coffre aux forces pour vous faire repérer. De toute façon, je dis sans être vu, mais qu'est-ce qu'on s'en branle, je pourrais pas avoir la médaille d'or. C'est pas pareil pour l'ego. Ah non, ça c'est sûr. Non. Ça, l'ego, je risque de le faire full en live, hein, histoire de pas trop me faire chier. Ouais, mon honneur, les bats, hein, les bats de ouf. Mais bon, c'est juste que je suis un criminel. Hein. Mais par contre, en vrai, pour ceux qui ont vraiment fait Red Dead qui ont fait Red Dead en entier. À quoi me sert mon argent, là? À quoi me sert mes 3207 balles? Est-ce qu'un jour, ça va me servir? Ou est-ce que, genre, à un moment, je vais perdre toute ma thune ou quoi? J'ai l'impression que j'ai trop d'argent, je peux rien en faire. Yeah. Allez voir Trelawney. Well done, sir. Well done. It was easy. You did all the work. Et c'est même pas avec mon argent, c'est avec l'argent de la bande. Thank you. T'as des trophées dans les bars? Aucune idée. You'll see Alden from time to time. See you soon, Arthur. Et voilà, regardez. J'ai encore eu 200 balles, mec. Je sais pas quoi faire de ma thune. Pourtant, j'ai amélioré mon cheval. J'ai acheté des thunes, enfin j'ai acheté des vêtements. Je vais pimper mon perso. Tu t'en serviras quand tu feras le 100%, t'inquiète, mais oui, t'es très large. Bah ouais, c'est ça, je trouve que j'ai trop de thunes là. Est-ce que genre je peux pas m'habiller?
magasin? Y a pas un reseller peut-être? Le reseller il a des vêtements? Je sais pas où est-ce que je peux acheter mes habits. Je peux acheter des vêtements et des armes. Les armes j'ai les meilleures. Et après c'est vrai les vêtements ouais. Je vais voir mes habits si je peux pas les changer. On voit des subs, c'est trop riche. Si je pouvais payer. Oh pardon! Je pouvais payer. Ah là, je l'ai tué là, non? Il va pas être content le reseller. Je pouvais payer les subs en argent Red Dead. Merde, c'est de l'autre côté, bouffon. Là. Salut! Acheté. Ah ouais. Petit pot en conserve. Appât à prédateur. Bon, ça périt pas ça. Oh, je vais tout acheter, de toute façon, j'ai trop de thunes. Médicament miracle puissant. Ah non, ça j'ai déjà. Schéma de flèche en position. C'est du remontant spécial. Schéma, recette. Schéma. Recette, rémunération de cheval. Tunique spécial, recette spéciale. Rien à en faire. Prends les schémas. Pour des tomahawks? Pas sûr que ça me serve, mec. Alors. Je vais aller au magasin, j'aimerais bien, mais de toute façon il y a bien un tailleur, c'est pas possible. Je peux pas être sans... J'imagine que ça doit être à Saint-Denis ou alors à Valentine, non? Non. Non, non. Je peux rien faire là. Il n'y a pas un seul endroit où j'ai l'impression que je peux m'acheter des vêtements. Mon avis perso, les jeux à faire entièrement en live, ce sont les jeux récents, nouveaux et les jeux difficiles. Ouais. Le reste des jeux, je pense pas que ce soit un problème si je joue en off, mais juste pour les vidéos, si tu débloques un trou, j'espère que t'auras au moins un règle du cas. Ah oui, oui. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, t'inquiète, je les ai déjà, ça, des bonbons. J'ai, en fait, ça règle automatiquement dès que j'obtiens un trophée, Reldia, regarde. Par exemple, sur la play, là, hop, tu vois, le trophée que j'ai obtenu, ça règle les 30 dernières secondes. Donc ça j'ai pas de... ça me fait pas peur quoi. Ouais mais même les réanimateurs de cheval, Didi j'en ai plein. Mais oui c'est ça RLDR, c'est à dire que... En fait, ce qui me dérange c'est que je m'empêche d'y jouer des fois. Et je suis exactement d'accord avec toi. Pour moi... Ah vêtements, voilà. Pour moi, les jeux qu'il faudrait que je fasse entièrement live, c'est les jeux récents, donc ceux que personne ne connaît. Et les jeux difficiles. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Salut, bonjour. Alors tenue. Ouais, pas mal. L'outfit. Ouais. Et donc là, c'est les chapeaux. Oh, un béret. Je vais me la jouer Peaky Blinders. Vas-y. Oh oui. Alors ça me fait plaisir. Si je peux me la jouer Peaky Blinders, les mecs. Attendez. Je peux être le plus heureux des hommes. Attendez. Il en pige lui là. Putain, c'est lequel qui fait le plus Peaky Blinders là? Lequel fait le plus Peaky Blinders? Lui? Ouais. Lui? Non, lui non. Lui? Gauche à peau de rat, pitié. Mais non, je vais me la jouer Peaky Blinders. J'ai regardé ton platine de Minecraft GG, c'est une pépite la vidéo. Merci Nefé. Tu vas voir, les vidéos qui arrivent, là, les deux devraient être pas mal aussi. Peaky Blinders, c'est plus... Comment je pourrais... Comme ça. Ouais, c'est pas trop Peaky Blinders, je trouve, mais bon. Et après, il se branle. Oh, ça, voilà, parfait. Gilet parisien. Excellent. Quelle couleur? Tu vas essayer comme ça. Le jean. Pantalon de travail, non? Non, pas du tout. Pantalon habillé. Ouais, c'est pas mal comme ça, là.
Ouais, comme ça. Est-ce que je fais Peaky Blinders? Attendons, attendons. Botte tornado. Tornado. Botte de pêcheur. Absolument horrible. Botte de rémouleur. C'est horrible aussi. Oh. Oh, pas mal comme ça là. Full noir, full black. Alors, est-ce que je ressemble à un Peaky Blinders? Attends. Gilet, pantalon, bottes. Merde, j'en étais où? Accessoires. Merde, non. Ah si, c'est, j'étais en accessoires. Des bretelles. Cravate, oui. Ça le fait pas du tout. J'ai l'impression que je vais pas du tout ressembler à un Peaky Blinders là. Cuir. Cuir de qualité, ouais. Okay. Demi-jambière en cuir tanné. Non, c'est horrible. Oh là là, la tenue. Ouais, j'essaie de faire un Peaky Blinders, mais bon. Éperon de chevalier. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah! C'est horrible, ça sert à quoi? C'est dégueulasse. Ah, il y a que des éperons. Alors, est-ce que je ressemble à un Peaky Blinders? Have you ever seen such a clean and tidy store? Or such a bored man? Fortifiant, munitions, chasse et pêche, soins pour cheval. Tiens, je vais acheter des trucs pour mon cheval. Trénuateur de cheval. Done. J'achète tout. Je suis riche. Alors, attendez. You looking for something else? Thanks. Get the latest, all right here. Mouais. Ouais, le Peaky Blinder un peu raté, hein. Mais même lui, il est déçu de sa tenue. Regardez, il regarde ses pieds. Il est déçu de sa tenue. Regarde-le. Wow. Peut-être taillé un peu la barbe. Ouais. C'est vrai que là, on dirait un djihadiste. Ah, mais c'est bon, je t'ai acheté tout, toi. Ouais, putain. Ouais. Pas fou, hein. Pas fou, là, le Peaky Blinders, hein. Pas dingue. Le Peaky qui a des problèmes. Bah ouais, lui-même. Mais le pauvre, il regardait ses pieds. J'ai l'impression que je l'ai fait chier avec ma tenue. Il est trop déçu de ma tenue. Ok. On a Michael Bell. Allons-y. Michael Bell. Yeah. Parler de quoi? Ça va, d'un ange? Des beats? Ah bah tiens, Amnova, il s'y connaît en beats, hein. Tu as amélioré tout ce qu'il faut dans le clan? Non, je peux améliorer, mais c'est même pas ma thune, c'est ça le truc. Le truc, c'est que c'est même pas mon argent que je vais dépenser. Parle avec les inconnus. Non, les inconnus détraqués, j'aimerais bien les faire plus tard. Ivan Noé. C'est moi! Bientôt les 100k, donc ouais, un peu. Dans 25 000 quand même. Mais ça fait combien? 100 000 bits? Attends. 25 000 bits, c'est 325. Ah ouais, mec, t'as dépensé quasiment plus de 1000 balles. Plus de 1000 balles. Oh, mais il est horrible, mon personnage. Je suis dégoûté. Il est absolument dégueulasse. Ils n'en diraient pas du tout un Peaky Blinder, on dirait vraiment un clochard. Ah oui, je voulais améliorer le camp. Attendez, je vais améliorer le camp avant de parler à Michael. Où le camp? C'est où la thune du camp là? C'est derrière. Botte de fou. Dika, c'est 141. Ok. Donc t'auras dépensé 1400 balles pour. C'est d'être récupéré. Waouh, 38 euros. Ok.
La bande a que 100 balles. Ah. Je vais voir ce que je peux acheter. Parce que même, j'ai aussi acheté les TP. Fortifiant l'alcool de qualité. Ouais. Augmente le moral du camp. Oh, vas-y. Hein. Quartier de la bande a été amélioré. L'humeur générale est à présent meilleure. Ok. Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que ça a changé, là? Acheter un relais pour chevaux. Un endroit à partir duquel récupérer les chevaux se trouvant dans une écurie ou rappeler votre cheval principal au camp. C'est un fou. Acheter un poulailler pour le camp. Les ragoûts du camp sont plus nutritifs, vous permettent d'augmenter votre sang-froid. On s'en fout. Ouais, je sais, mon Kédi Luffy, ce qu'il disait, c'est que l'argent, Dutch, il le cachait en dehors de la... du truc, ouais. Mais l'argent de la bande, c'est que moi qui en rapporte, littéralement. Acheter un bateau pour le camp, un moyen de transport facile et permettant d'accéder à des zones de pêche. Et ça, on m'a dit de le prendre. Ça, on m'a dit de le prendre. Est-ce que je le prends? Ah, plus tard, 450, ça fait chier quand même. Parce que Saint-Denis, ça se trouve, comme c'est la ville, c'est the place to be, ça se trouve, je vais avoir des trucs de ouf. Et du coup, vous êtes heureux, là? Vous êtes heureux, le camp, là? C'est de meilleure qualité? Attends, je vais voir. Ça va? Chien léopard. Ah, c'est son chien. Hey boy. Waf. Ok, tout le monde est content. Okay. Bah nickel. Allez, viens là, Mike. Okay. Vous, tu les as utilisés? Non, faut que je le fasse, putain. They shall be called. Hey, Molly, where's Dutch? Well, however it goes. I'm not sure all that line of thought serves you and me very well. That's because, Cowpoke, you are a man of profoundly limited intelligence. No doubt. Well, you and the old man and Dutch have been running around, digging us ever deeper into shit. Old Mr. Pearson might have gone and lightened the load a little. Pearson! Hey, Florian! Ain't you curious? I guess. Gentlemen. Dutch. You tell him, fat man. It's peace, Dutch. The O'Driscolls. I mean, I think there's a way. What on earth are you talking about? Get the words out properly, fat man. I met a couple of the O'Driscoll boys on the road in the town. Things were about to get ugly. But you know how I am in a fight, huh? Like a cornered tiger. Anyway, somehow it didn't, but we got to talking, and they suggested a parlay to end things. Like gentlemen. Gentlemen. Combe O'Driscoll. Have you lost your minds? You're always telling us, Dutch. Do what has to be done, but don't fight wars ain't worth fighting. They want a parley? It's a trap. Well, of course. Bisous, Nova. Probably a trap, but what do we got to lose finding out? Get shot. We ain't getting shot because you'll be protecting us. It's a trap, you shoot the lot of them. If it ain't a trap, that's slim chance. I don't see the point in any of this. It's a chance you've gotta take. I killed Combs' brother. A long time ago. C'est quoi la vidéo de DLC Uncharted? Je suis pas sûr qu'il y ait de vidéo là-dessus, hein, finalement. J'aurais dû le faire en une seule vidéo. Say, it's a long time ago, Dutch. J'aime pas du bout. You and me. Bon, ouais, bah on va niquer du O'Driscoll. Enfin, on va essayer de se réconcilier avec le O'Driscoll. Mais bon, ça va mal tourner, j'imagine. Ok, allons-y. En vrai, rien qu'avec le brutal, tu peux faire une vidéo à part entière, je pense.
Oui. Sur la chaîne secondaire en vrai. Parce que sachant que j'en ai déjà fait une vidéo sur la chaîne principale, j'ai pas envie de refaire une vidéo. Quoique en vrai. En fait ce qui me saoule c'est que je suis dans mon ancien décor, Linay. C'est ça qui me gonfle. You know, I've been fighting Combe for so long now. I can barely remember a time when it was different. Mais c'est vrai que les Uncharted, ce que je... Ah putain, ce cas... Aïe, aïe. Ouah, ah, ah. Putain de sa mère. Ce casque qui me rend ouf. Ce que je pourrais faire avec... Ah oui, ça fait tâche. Bah ouais, c'est ça. Ce que je pourrais faire avec les Uncharted, c'est que je les platine une fois. J'en fais une vidéo. Et le mode brutal, je l'upload genre... 4-5 jours après, comme ça, ça me fait double rému. Et puis c'est sympa, ceux qui veulent regarder, ils regardent. Et puis ceux qui veulent pas, ils veulent pas. Non, j'arrête de fusionner. J'arrête de fusionner les jeux en une vidéo. Parce que j'ai fait ça pour Astrobot. Je suis très content de lui rendu d'Astrobot. Mais on enchaîne trop vite les jeux, je trouve. On enchaîne trop les jeux. La dernière fois où je ferai peut-être ça, c'est avec les Dark Souls. Tout le monde revenu. Non, même pas forcément, je m'en fous des revenus. Je peux pas t'en racheter un de manière de tu vas finir par tuer. Moi, si je me rachète un casque, ce serait un Neumann. Le casque de chez Neumann, là. En fait, je me dis, si j'ai la carte et le micro, autant avoir le casque Neumann. Comme ça, je suis vraiment bien équipé. Et quand vraiment je serai multimilliardaire, je m'achèterai les enceintes Neumann et je me ferai un home cinéma et tout, ce sera trop bien. Même en vidéo, Uncharted 2, Uncharted 3 et encore une autre avec les 3 DLC. Une de Uncharted 2 pour le platine de base et une vidéo Uncharted 2 pour le mode brutal. Une vidéo Uncharted 3 pour le jeu de base et une vidéo Uncharted 3 pour le mode brutal. Pareil pour le 4. C'est ça, Psycho, exactement, ouais. Ou alors c'est une vidéo de 2 heures, quoi. Astro 50X, c'est vraiment bien. C'est pas des micros... Non, c'est des cas... Je sais qu'ils sont bien, mais... C'est pas des cas qui sont très bien adaptés pour des cartes son et tout. J'ai fini le mode brutal, c'est ultra chiant, mais pas mal. De quel Uncharted, Heisenberg? Ah, ma souris fonctionne plus, il n'y a plus de batterie. Attends, j'arrive! Tour de 600 euros le casque, pas cher. Ouais, mais c'est un casque Neumann, quoi. Il y a la qualité qui va avec, hein. En fait, je sais que le casque, le son doit être fou. Le casque est fou si genre tu prends un casque Neumann. Ouais, c'est possible, Linay, ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton cheval? C'est le... Mais qu'est-ce que tu fais? C'est le pur sang arabe. T'as les balades en cheval, oh, elles sont longues, hein. Fâche. Des fois, il y a vraiment que ça. Genre, en 2 heures de live, je pense qu'il y a facile 1h10, 1h20 de cheval. Putain, je m'en souvenais pas que c'était aussi long. Ça va, ça va. C'est un casque où il faut un préampli à lampe? Non. Non, non, il y a des gens qui l'utilisent avec la Neumann MT48, Axel. Ok. Bah attends. Ils m'ont jamais demandé de descendre mon cheval là. Ah merde! Libérez-vous et sonnez votre plaie en moins d'une minute. Récupérez vos armes dans le campement des O'Driscoll. Tur. Les O'Driscoll qui vous ont frappé et tiré dessus. Ah, tué, ok. Échappez-vous du camp sans vous faire repérer. Ah, ok. Pas mal en vrai ce. Putain, mais merci M8, merci HLS, ça m'aide beaucoup en vrai. En vrai, ça m'aide de ouf. Ça m'aide de ouf. Salut Nolik, ça va et toi mon gars?
vous et soignez votre plaie en moins d'une minute. Ok, soignez ma plaie en moins d'une minute. Bon. Petit rendez-vous avec Léo Driscoll, apparemment. Bisous, Linay. Hello, Dutch. It's been a while. Sure. So, how's your gang doing? They still believing in you? Better world. Pure world. Hmm? How's that coming along? Just fine. Hmm. How's that score you stole off us? Which one? Oh, I like that. It's like I said, this is a charismatic leader. Lot of heat on us this time. Both of us. Whole heap of trouble. They offered me a price, Dutch, to bring you in. Why didn't you take it? Bah alors, petit pomme. Still might. Non, je remets la cam après la cinématique. Sorry about your brother. Yeah, well, I never liked him much. I liked Annabelle. You always loved the ladies. Ah, Wonderland. Mais il se faisait une Audrey Scholl, lui là. I like that about you. What are we doing here? Go home. Is this thing over? Hmm. Ouais, non, mais je suis. Putain, du coup, il se faisait une Audrey Scholl, le Dutch, là. Et alors, le loulou. Et si, il y a le nombre de trophées, là. Ok, j'ai plus Audrey Scholl. Merde. With this fella Colton Pratt, we can draw them all back. He's escaping! Shoot him! Relax! I got him. Did I kill you? Oh, not yet. No, of course not. Not yet. But I will. Oh, la vache. À bout portant, là? Je suis en vie? Putain, heureusement que je suis le héros du... C'est vrai que je suis même plus là. Ok, je suis en vie. Bon, bah pas mal en vrai. Ah, putain, j'ai un torticolis. Oh. Finally. Put his weapons over there. Oh. Attends, c'est quoi Attends, Emmut, je vais regarder. Est-ce que tu peux remettre ton message et si un modo peut l'épingler son message, s'il vous plaît? Ah mais c'est supprimé, pourquoi c'est supprimé? Oh merde. Arthur Morgan. It's good to see you. Hello, Gomp. How's Woo? I hardly feel it. You will. Septic. Ain't nice. Now, tell me. Fine gun like you. Why you still running around with old Dutch? Could come ride with me and make real money. It ain't about the money, Gomp. Oh, no. It's Dutch's famous cars. Oh, Romain Jacques! Ça va ou quoi? Salut, merci beaucoup pour ton raid. Merci Romain, salut à tous. Salut. Je me tais, il y a une thématique. And all this crap between you two. We all got real problems now. The way I see it, they get him. They forget about me. Bienvenue à tous, on platine Red Dead 2. Merci Romain Jacques. On platine Red Dead 2. On fait tous les succès du jeu et là on fait l'histoire et en même temps on essaie de faire le maximum de médailles d'or. Bon, c'est dur. Hein. Bonsoir à tous. Bienvenue à tous, merci beaucoup Romain, tu régales mon gars. You only met with him to grab me? Of course. He's gonna be so mad. He
tu sais jamais. C'est une façon de dire le roi du mix. Chiale pas, Arthur, ça va, il y a pire. Salut, Romain. Bisous, Psycho. Alors, ok, on doit s'évader et soigner notre plaie en moins d'une minute. Comment je fais? J'imagine qu'il va falloir un couteau. Il va falloir que je trouve un couteau. Moins d'une minute. Ah! Est-ce que le temps défile là? Avec vos chaînes pour atteindre la lime, ok. Ouais. Allez. Allez. Arrête! Genre, je l'ai pas eu. Ah si, ok. C'est Izuko. Oh, ces gros pieds là. Vite, soigne-toi. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. Au moins d'une minute. Oula. Ah. Ah, je suis pas sûr que ça aide ça, hein. Ah, je suis pas sûr que ça aide hein, à soigner la plaie. Hein. Ok. Ah! Ok. Alors. Récupérez vos armes dans le campement des O'Driscoll. Donc ça c'est pas le campement. Tuez les O'Driscoll qui vous ont frappé et tiré dessus. Et c'est qui? Qui sont ceux qui m'ont frappé et tiré dessus? Si ça aide, j'ai vu un tuto sur TikTok. Ah ouais? Je crois que c'est les deux à gauche et à droite là. Je vais tous les tuer, hein. Tuez vos armes, tuez les autres qui vont te frapper et tirer dessus. Faut pas que je me fasse repérer en même temps, quand même. Merde, c'est lui. Ah, c'est un gars, ça. Je crois que c'était un cheval. Je vais reprendre mes armes. Récupérer l'arme d'Arthur, ok. C'est Dr. Noss. Oh, si j'ai la médaille d'or, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Je vais me mettre là-bas. Je vais l'éliminer. Ok. Un autre là. Tiens, mais je vois rien, je peux pas me soigner là? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Mais non! Mais espèce de bouffon, c'est qui buvait, ce fils de pute? Oh non, il est en train de boire, du coup il s'est dit oh bah je peux pas l'attaquer, je bois! Oh! Oh! Eh, le jeu est excellent, Dr. Noss. Oh putain, c'est loupé, fait chier! Bon, au moins lui il est mort. Oh non! Sauf parce qu'il était en train de boire. Et en plus, ça a rien changé, mec. Je vois toujours rien. Ah, je suis dégoûté. Ok. Bon, bah, c'est là où j'espère que... C'est là où j'ai un peu d'espoir et j'espère que j'ai loupé un autre objectif. Comme ça, je me sens pas minable. Attends, mais je vois rien, là, mec. Est-ce qu'il y a de l'eau? Tout petit peu, tout petit peu. Faudrait que je me mette alors des années qui est dans ma galerie Steam. Ouais, par contre, c'est. Je sais pas si tu comptes le 100% ou juste y jouer, mais très très long. Mais vraiment, très bon jeu, ouais. Prends un truc qui remonte les moyeux du cœur. Mais en fait, je comprends pas le truc de noyau. Ah, c'est ça, les noyaux. Ah non, tu vois, hein.
Je pense que c'est fait exprès pour la mission. RLDR. À mon humble avis, c'est fait exprès. Ouais, j'ai oui dire. Très long le 100%, c'est pour ça que je l'ai pas encore lancé. Ok. Là, c'est que tu comptes le 100%. Mais le 100% pas sur Steam, mec. Le 100% pas sur Steam, mec. Fais-le sur Play, non? C'est plus stylé. Ouais, tu vois. C'est fait exprès. T'es con, s'évanouit. Réouvrons pas le débat. Ah, t'es un joueur Steam. Toi, c'est définitif, toi. C'est Steam, quoi. Y'a pas, pas moyen de moyenner, quoi. Ok, je capte. J'enlève ma gueule. Non, non, HLS, Xbox, c'est pire. Tu seras pas épargné. My dear boy, what? They got me. I got away. Yeah, you did. Miss Grimshaw, I need help. Reverend Swanson's gonna set the law on us. Oh, of course he was. I'm sorry, Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson! Mr. Morgan. Bah oui, du con. L'autre là, l'oncle là. Il croit qu'on va pouvoir s'associer avec Léo Driscoll, abruti. Ouais, c'est vrai, petit pomme. T'as raison. Plus un pour petit pomme. Miss Grimshaw, will you sit with him a while? Of course. You'll be okay, Mr. Morgan. You're home. The fuck, pas de cam? Ouais, je l'enlève pendant les cinématiques. Je trouve que ça fait plus stylé. Oh, y'a un loup. On a l'image d'un loup, là. Même pas un chien, on dirait. Non, c'est un loup. Quelques semaines plus tard. Oh, on change de chapitre ? Ah non. I thought I'd be burying you, Mr. Morgan. Well, not quite yet, River. Hey ! Ah bah, c'est son tour. Et Gaspo qui raid, merci beaucoup. Je me suis jamais autant fait raid de toute ma vie. Salut Furutech, salut à tous. Bienvenue. Take care of yourself. You too. Double raid. Merci. Je sais, mon Kid Luffy, faut que j'augmente mon honneur, mais je veux jouer RP. Je veux tabasser des Indiens si ça me chante. Merci Gaspo. Oh, non. Putain. J'ai pas réussi. À cause de ça. Je suis dégoûté. D'ailleurs, j'adore ta nouvelle pépé. T'as vu? Ça fait un peu vénère. T'as fait vénère. Moi, j'aime bien quand ma cam est mute pendant les cinématiques. Le jeu est beau. Faut en profiter. Enlevons la cam, là. C'est raciste. Non. Mais non, j'adore tuer les Indiens. Ça va, c'est pas un peuple opprimé. Pas en 2024. Enfin, si, mais bon, en France, on s'en bat les couilles. Attends, mais... Mon gars. Je viens de survivre à un couteau dans le cœur. Et tu me racontes encore ta vie, toi. Qui est-ce qu'il faut que j'aille voir? Salut, Flash. Bill Williamson, Bill, Michael et Sean retrouvent les Grey au saloon pour discuter d'une mission. D'accord, donc dans l'image de la mission, on a quand même nos armes sur nos épaules. Oh, I'm sorry. Anyway, it wasn't a complete waste of time. I stole this from one of those awful... Ça va? Ça va? T'as fini de me raconter ta vie? Oh! Salut Caroy! T'avais pas dit que tu devais faire du sport?
Ça veut dire quoi ça, chien va? Ça veut dire que j'ai pris du poids? Putain, quel connard. Eh, Desset, t'avais pas dit que t'allais reprendre ton alimentation en main, là? Trois petits points. Ça veut dire quoi, ça, MK? Non, oui, c'est MK. Putain, allez, galope! You done good, girl! T'es toujours beau, mon Desset, t'inquiète, non mais je sais. De toute façon, je vais reprendre le sport, là, dès que les deux vidéos sortent, là. Le 22 et le 24. C'est juste, vas-y. Oh. Non. Non. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous cachiez? J'ai pas assez d'argent, je trouve. Ah, c'est un R. Ah ouais, c'est RNK, ok. Inconnu, inconnu. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, cache-toi. Est-ce que je peux... fouiller le coffre. Je peux pas fouiller le coffre? Oui, j'ai réussi à bien dormir, en tout cas, petit pomme. Oui, j'ai repris un rythme. Je me suis réveillé à 9h aujourd'hui. Donc j'ai repris un rythme. Ça, y a pas de souci. Eh bien... dynamite. Ah. Ah, ok. Cours. Hé hé! Quoi? Attends, il y a de l'or? J'ai vu de l'or là, je rêve pas? Attends, j'ai vu de l'or, je crois. Ah. Déçu. Dommage. Bon. Eh bien, on part avec... Putain, c'est pas cher payé, 40 balles. 40 balles le coffre-fort. C'est quoi le jeu le plus dur à platine? Crypt of the Necrodancer, mais moi j'ai fait... Le jeu le plus dur que j'ai platiné, c'est... Attendez, je me mute. Je mute le stream, j'ai une vidéo à regarder, ça dure quelques secondes, je regarde. Micro-stream, hop. Ça se dit tranquille comme tu l'as écrit, Axel ? Bah, je sais même pas si ça se dit. Merde, j'ai mis les BPM. Je sais même pas si ça se dit, Axel. Ça se dit tranquille, T-R-A-N-Q-I-L? Ah ouais. Bah non. Les mecs, ça se dit pas tranquille. C'est forcément au féminin. Oui, t'as raison. Ah, voilà. Ah, c'est bien ça. Non, c'est 2 LE. Ah, voilà, c'est bien ce qui me semblait.
Mais sinon, non, parfait, elle est trop bien, l'OP. Bah, mis à part que je trouve que vous avez vraiment pas le même texte, toi et Lolo. Ce que je trouve dommage. Comment ça, sauter sur le train? Ce que je trouve dommage. Mais sinon, non, c'est parfait. Nickel, hein. Parfait. Elle est vraiment bien, je trouve, hein. Franchement, putain, t'as géré pour... t'as pas mis beaucoup de temps, pourtant. Oh, attendez, il y a un coffre. Ouais, deux alus. Le même texte? Bah, vous avez pas la même police. Après, je pense que c'est juste que... Lui, il met un mot, max deux... Et il le zoome beaucoup plus. Genre, je pense que c'est ça. Ok. Tu es trois hommes de loi en tuant le sang-froid lors... Attends. Tu es trois hommes de loi en tuant le sang-froid lors de... Je sais pas si quelqu'un peut épingler. Et c'est 20 tirs en pleine tête. Oh putain, ça va se battre. Terminer la mission en n'utilisant que des armes de poing. Ok, terminer la mission au moins de 4000... Allez, c'est mort. C'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Well, I'm sorry to have kept you. Come on, let's get going. What's the plan? Oh, le platine, c'est pas pour maintenant, hein. We're meeting a couple of the Grays over at the saloon. They spoke to Bill about a job. Et c'est chiant à faire, Axel, ou pas? Genre, même si tu le fais pas pour l'OP, est-ce que tu peux le faire pour la vidéo FNAF? So what kind of security they want? We're about to find out. Now come on. This seems legit to you, Bill. Sure. Dutch said we was to keep on dealing with them until we find this gold. Can we trust them? Can we trust anyone? Yeah. Pour les cinématiques, je trouve ça plus sympa, panoramas. They said there was some big misunderstanding about them horses. And what about boarding their fields? They don't know we had anything to do with that. Oh, that's so. Yeah. They think it was the Braithwaites. Listen, I know these Grey boys a bit now. This is on the level. We're stuck in the middle of some ancient feud, but instead of playing both sides, we're being used by both of them. They were saying the Catherine Braithwaite. Hey, hold up. Wait. This don't feel right. Now it don't feel right. I could have told you. Oh! Putain, j'ai eu peur de ouf. Wesh, il est mort, Sean. C'était mon perso préféré. Mais non, il est mort. Oh non, loulou. Oh la vache! Attendez. J'étais pas en rec. Je vais prendre la dernière minute. Parce que si c'est la dernière mission du chapitre, ça va peut-être être important. Oh, on a pas eu ta cam à l'arrêt. Eh, c'est vrai! Bon, après, j'ai juste eu peur. En vrai, j'ai juste fait. Oh! En vrai, je pense que c'est facile de s'imaginer les réactions que j'ai. Eh, je vois, c'est vrai. Ah ouais, putain, la vache. Non, c'est genre la deuxième fois que je fais ça. Non, mais Hudson, la pub date de. Genre, il y a un an quasiment, ils l'ont pris que maintenant, ça me fout le seum. Ah, je vais canner. Je vais faire une mini pour leur dire c'est pas, c'est vrai. Mais putain, mais ils sont où, frère? Mais mec. Bah Sean, moi je l'aimais bien, Sean. C'était mon petit Irlandais. Bon bah rip Sean hein. Voilà. La voix de foot a trop changé en un an. Quoi? Je suis mort? Ah putain. Ok. On va commencer. Bah ouais Sean, je l'aimais bien ouais. C'est pas jaune, c'est Sean. Sean. Séan. Bah du coup maintenant je peux utiliser mes armes de Leicester. J'ai pas une autre arme, non. Tout se passe bien, Google Eyes, tout se passe extrêmement bien. Hop là.
C'est fait exprès, oui. Ah, vous voulez... Mais vu ce que vous voulez me mettre dans la sauce, vous voulez me faire dire des trucs racistes. C'est bon, c'est fini, je me suis déjà assez mouillé début du live. Non, j'ai l'impression que le... Eh ben alors, qu'est-ce que je dois faire là? Repousser les ennemis, ok. Mais bouge, pitié! Qu'est-ce t'as encore dit? Rien. Hey! Oh, il est en train de m'allumer, lui. Mec, putain, c'est abusé. Comment? Quoi? Vous avez abandonné la bande? Non, c'est... Non, ça, j'aime pas. Ça, c'est chiant. Quand... Ouah, t'as... Ouah, mec, c'est abusé. C'est abusé comment tu dois, genre, rester là, pile là où le jeu veut. Si tu restes pas pile là où le jeu veut... Ah non, t'as perdu la mission. Ah, ça, j'aime pas. C'est tellement pas liberté. Liberté. C'est tellement pas... T'es tellement pas libre. Ça, je trouve ça abusé. Oh putain, il a failli se prendre une balle, lui. Là, je trouve ça dommage, en vrai. Mais... Oh, celui-là, avec son cheval, là, il me nargue. Hey. Ah non, c'est pas lui. Je voulais tuer moi, mais... Non, alors là, vous allez pas vous barrer, hein. Enlever ta cam pour les cinématiques au début de la mission, mais pas forcément pour celles qui se déroulent pendant la mission. Je sais pas, moi j'aime bien le fait qu'on voit vraiment le truc. Après, ouais, c'est... C'est au risque qu'il se passe ce genre de truc, quoi. C'est le shérif qui nous a balancé, ce chien! Et du coup, là, c'est la fin de la... du chapitre 4, je pense. Du chapitre 3. Il est où, Sean? Il est là, non? 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 Yeah! Putain, Sean est mort. He was a good kid. Well, how the hell was I to know? Let me see. They set us up once before. They didn't like us. We destroyed their farm. Should I go on? Go easy on him, Morgan. He was out trying to find a lead. Same as you. Same as Hosea. All you do is complain when things don't work out. Except when it's your goddamn fault. You don't know what you're talking about. You don't give a damn about nobody but yourself. Oh, you act so high and mighty, but you're no better than the rest of us. I've ridden with you boys close on what, 6 months now? And all you ever done was complain. You can fight, but you can't think. You can't do either. Okay, cowpoke. Bill, take the boy's body. PlayStation, bien vu. PlayStation. Bon, ça fait chier, j'aimais bien, c'est le seul que j'aimais bien de la bande. Sinon, je trouve qu'ils servent tous à rien. Désolé, si, il y a Ravière et Charles que j'aime bien. Bah, c'est les deux étrangers. Les deux...
Sauvez-moi, sauvez-moi. Les deux pas américains. He's been killed. Head shot half off in an ambush. Charles, c'est le goat. Charles et Javier, ouais. Oh putain, attendez. Attendez, on a Tingoff. Salut les sexes, viens, je fais un concept où tu fais un orc contre Gaspo et celui qui gagne doit jouer contre tous les rangs des jeux sans pouvoir chausser. Ouais, putain. Yeah. Ouais, bad knife. Salut les sexes, j'ai fini mon 4 heures. Et demain, j'ai l'école. Trop chiant, la maternelle. C'est dur. 2011 dans le pseudo. Mec, t'as pas l'âge pour être là. Ah, j'ai rien réussi. Ah, j'ai rien réussi, d'accord. Oh, bah alors, j'en ai tué combien? Tué 3 personnes à l'heure en disant le sang-froid lors du sauvetage de Bill. Bah, mais quoi? Oh, oh. Les mecs, demain, je reçois ma PlayStation. Je reçois ma PlayStation demain. Je vous ferai un unboxing. Non, je ferai pas un unboxing, mais je vous la montrerai parce qu'en fait, je vais pas l'unbox, donc. Mais je vous la montrerai en tout cas. Ok. Bon, qu'est-ce qui nous vaut Vanderbundler Lunch, Dutch Vanderlunch. Dutch souhaite vous parler. Ouh là là, vous voyez ce qui se passe là? J'aime pas beaucoup ça. Pourquoi on débarque à 15 chez les... chez les Braithwaite? Ouh là là! Par pur hasard, les mecs, est-ce que je devrais activer la... laisser la cam pendant les cinématiques, j'espère, non? Ouh là là! Et là, j'ai M8 HLS back qui va absolument pas me spoil avec les conditions pour l'or. Tuer 150 ennemis, 83 tirs de la tête, sauver Dutch d'une terrible chute mortelle. Best mission du jeu, profite bien. Ok. Tu veux ou pas? S'il y a un truc de terminer la mission en 2 minutes, enfin tu sais, s'il y a des conditions de temps, non, laisse tomber. Tu sais que si c'est un carton spécial et que tu l'ouvres pas, dans lequel il y a la boîte, ça peut se revendre encore plus cher plus tard. Ah ouais? Donc si j'ouvre pas le colis où il y a la PS5 dedans, mais comment il sait que c'est une PS5? Attends, tu veux dire que si genre le carton... If I send you a message on PlayStation, we will show you on the screen. No. Non, non, Adam. Mais non, mais n'importe quoi. C'est pas vrai, je peux pas y croire. En vrai, j'y crois pas parce que, genre, si c'est juste un carton basique, marron, clean, enfin, genre, ça va pas... genre, comment ils vont... Oui, ça ajoute de la valeur. Tire dans la tête de Garrett et Garrett Braithwaite. Ok. Tu vois, je pense M8, je sais pas si c'est bon, tu vois, parce que ça spoil, les conditions spoil, ça, c'est dommage. Du coup, je sais que je vais fumer la famille Braithwaite. Bon, je m'en suis douté. Braithwaite. Si, c'est Braithwaite. Remets ta cam. Elle est déjà là, ma cam. Mais toi, Lend. Bah, écoute, on verra demain. Bah, je vous la montrerai peut-être pas, alors. Mesdames et messieurs. Attendez, je vais activer la rec parce que j'ai l'impression que c'est la dernière mission du chapitre 3, là. Oh non, Jake! The Braithwaite woman took him. Oh. Kieran saw a couple of fellows sound like Braithwaite boys. Where's my son? If anything, where is my son, Dutch Vanderlyn? Oh, ta gueule. Find him, we will bring him back to you, and we will kill any fool that had the temerity to touch one hair on that boy's head. Abigail, you have my word. Just get me back, my son. I will get that boy back, so help me God, right now. Dutch! We just heard about Jack. You need some extra guns? Yeah, why not? Micah, Kieran,
Anyone strange turns up, you kill them. Rest of you, let's ride. All right. Okay. Yee-haw! Go démonter la daronne à la famille Braithwaite. Bon, alors, le truc de... On essaye de s'infiltrer dans les familles pour leur soutirer de l'argent a duré... 30 minutes. Et sinon, on n'a pas pu s'empêcher. Bon, on n'a pas pu s'empêcher. En fait, c'est nous qui étions censés leur tendre un piège. Et en fait, ils ont tout découvert. Sans déconner. Sans déconner. À un moment, on va décimer la famille des Braithwaite dans leur champ de maïs. L'autre moment, on va tuer la moitié de la famille Grey avec un bandana. Sans déconner. Yeah, we just got shot to hell by the Greys in town. I know. Yeah, I'm a fucking cowboy. Pour info, tu regardes des images de Pokémon violet et tu comprends pourquoi est-ce que j'adore tes vidéos. Hein? Pokémon violet? Oh, je verrai plus tard. Hein? Ah bon? What? I've turned every stone. Christ's sake, Hosea. After all, alors tu mets pas, en vrai tu mets pas, mais c'est pas très grave. We underestimated them. No, en vrai tu peux mettre les missions, enfin si tu veux le faire, hein. Si t'as d'autres trucs à faire, tu fais d'autres trucs. Mais si tu veux le, si tu veux le faire, oui, t'as le temps. Genre tu sais, tu mets les missions, tu dis ah là il a une chance de le faire et ça spoil pas. So come on! Allez, mesdames et messieurs, on va fumer la famille Braithwaite. Est-ce qu'on prendrait pas leur manoir, après tout? Okay, get your heads right. Nobody makes a move until I say so. Ouais, ça marche, Amit. Ah, mais y a pas de soucis, c'est très gentil. Hein. All right, everyone, dismount and come to me. We'll go in on foot from here. All right. On a même pas fait. Y a même pas eu une petite. Après, est-ce que c'est parce que c'était un étranger? Enfin, c'était un Irlandais, du coup, c'est pas vraiment dans la bande. C'est pas un mec aimé de la bande, mais je sais pas pourquoi on l'a pas enterré Sean ou quoi. Enterré Sean, j'avais pas l'impression qu'il était détesté. C'est bizarre. Come on, let's get this done, John. You sure you're okay? Like I said, I'm fine. Ouais, c'est son fils. C'est son fils là qu'ils ont pris. What? Quoi, what? There they are. Who steals a goddamn boy? I'm gonna let fly at those sons of bitches. John, I need you to stay calm. C'est beau, hein? Get down here now, you inbred trash! What the hell do you want? Easy, John. Incroyable. We've come for the boy. You must have known we would. Shouldn't have messed with our business now, should you? Whatever complaint you have with us, alleged or otherwise, that is a young boy. That is not the way you do things. Hand him over. Get the hell off our land. Oh là 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 là, c'est tendu du string là, hein. Alright, ladies and gentlemen! La bande de Dutch vs la famille Braithwaite. Putain, d'ailleurs, la famille Braithwaite, ils ont baisé, hein. Parce qu'ils sont plusieurs, hein. Beaucoup de cousins. Ça baise, hein, chez les Braithwaite. Bang!
Alors, vous êtes où? Attendez, je vais prendre... ça. Allez, let's go. Un peu plus de sang-froid. Et let's go. Vous êtes où, bande de chiens? Bah, de toute façon, je pense que Jack, il doit être en haut, hein. Je sais pas, ça me paraît plutôt... Ah, plutôt logique. Beaucoup de consanguinité chez les Braithwaite, dirait-on. Oui, oui. Jack, oh, shit. Mais prends ton arme, du con. Oula. Oh, il était étrangement mal fait. J'ai pas l'impression que c'était une interaction Red Dead Redemption 2. Le personnage en face, il était moche, l'interaction était mauvaise. Allez, cours par pitié, mec. Qu'est-ce qu'ils font? Allez, revenez de là où vous venez. Paf, 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 paf. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Est-ce que vous avez compris? Aussi simple que ça. Vous kidnappez des ch'tios? Ça kidnappe des ch'tios ici? Par contre, vous... Eh bah putain, vous avez des gilets pare-balles ou quoi? Mec, 4 balles. 4, 5, mais... Non, je joue manette. C'est un stagiaire qui a codé ce gars. Mais ouais, il était trop moche, il était trop mal fait, je trouve. Paf. Alright! Salut, Wan! Ok. Ah, trouvé une autre... Oh putain, ouais, c'est ce qu'ils font, hein. Mais c'est bien ce qu'ils me font, hein. Mais... Passe clair de mon temps sur Uncharted, Uncharted 3 PS3 en mode extrême. Ils sont durs les modes extrêmes de Uncharted. Hein. Je reviens tout de suite. Tu es là. Tu es là, la vieille bicote là. We never had no problem except for Where Yankees. Where is the boy? Who took him? You killed my son! Oh, and I will surely kill the rest of them unless you start talking. Oh, I know your time. Common scum. Where is the boy? You filth. All right, we get her out of here. What about Dan? Now let's get this hag outside. Any more of her sons to deal with? No, reckon they're all dead. Faut la laisser en vie. That's right. Burn this dog to the ground. Bah non, c'était sympa comme maison, on aurait pu y habiter. Oh! Hein? I guess that's the end of the goddamn cribbage game. Et ben voilà. Tous tes gosses sont morts.
Oh, ça servait pas à grand chose de procréer autant, hein. Non, laisse-la en vie, laisse-la en vie. I never liked you. Why'd you take the boy, Mrs. Braithwaite? You stole my boys are off limits. You stole my horses. Ain't no rules in war, Mr. Matthews. Elle a pas tort, hein. Yes, that's it. Where's the boy? My sons gave him to Angelo Bronte. So my guess is Saint-Denis. Okay. Either there or on the boat to Italy. Let's go. Arthur, come on. What are we doing with her? Leave her. I told you she was crazy. Wow, trop stylé. Angelo Bronte. Wow! John. Wow! Work out. Listen to Dutch. Now, I don't expect you to understand this, but I have never been more proud of you than I am right now. C'était beau, hein? You're doing the right thing. If I don't get that boy back safe, she'll kill us all. I know, but looking at this logically, well, that boy is fine. They took him to scare us. Nobody takes a boy to harm him. He's right, John. Ouais, je pense qu'il a raison. What do you think, Arthur? The boy will be fine. But, well, of course, Marston's scared rotten. We killed all those people. We stirred up. Par contre, moi, je suis vraiment un djihadiste, là. For nothing? No. No. Not for nothing. Je le ferai un jour, commandeur. Now, we get that boy back, and we go. Trust me. Hey, Dutch, we got a problem. Not a problem. Visitors. Encore lui là. Good day, fine people. Mr. Vanderlind, Mr. Matthews, I presume. And who are you? Rip Van Winkle. Huh. Good day, sir. Agent Milton, Pinkerton Detective Agency. Agent Pinkerton encore, hein. Ah, Mr. Morgan, nice to see you again. And to what do we owe the pleasure, Agent Moron? I don't know if you're aware, but this. This is a civilized land now. We didn't kill all them savages only to allow the likes of you to act like human dignity and basic decency was outmoded or not yet invented. This thing, it's done. This place ain't no such thing as civilized. It's man. So in love with greed, he has forgotten himself and found only appetite. And as a consequence, that lets you take what you please, kill whom you please, and hang the rest of us? Who made you the messiah to these lost souls you've led so horribly astray? I'm nothing but a seeker, Mr. Milton. Moi, je trouve... Petit aparté, je trouve que... On se plaint beaucoup, mais on cherche beaucoup la merde aussi. Hein. C'est un peu mérité tout ce qui nous arrive. Bref. But I came to make a deal. It's time. Dutch, je trouve que c'est pas un bon gars. Enfin, il est con, quoi. Give you 3 days to run off, disappear, and go and live like human beings someplace else. You came for me? Risk life and limb in this den of lowlifes and murderers so that they might live and love? Ain't that fine? I don't want to kill all these folk, Dutch. Just you. In that case, it'd be my honor to join you. Excuse me, friends. I have an appointment to keep with. I think your new friend should leave now, Dutch. You're making a big mistake, all of you. Yeah, dreadful. We have got something. Something to live and die for. How awful for us. Mr. Milton, stop following us. We'll be gone soon. I'm afraid I can't. And when I return, I'll be with 50 men. All of you will die. Run away from this place, you fools! Run! Come on. Get your damn hands off of me, boy. What now? Ok. Je suis pas d'accord, commandeur. Je trouve que
La bande a eu beaucoup d'argent récemment, et genre là on est juste avide d'argent de ouf là, on en fait trop. On essaie d'avoir plus que ce qu'on a besoin, Commander. On se met plein de grandes familles et de grands noms à dos alors qu'on pourrait juste... Enfin, la Dutch est con, je trouve, quoi. John, we'll get Jack back, and we'll get going. Rest of you, get packing. Come on, John. This is crazy. All right. Bon. Ah, la mission n'est pas terminée. J'étais un peu ironique, je suis d'accord avec toi. Ouais, non, mais je comprends bien, mais je trouve ça dommage. En fait, je trouve ça dommage, genre, on... À chaque fois où on fait un grand coup, là, on a fait un grand coup, on a eu plein de thunes. On a braqué une banque, tu vois. Braquer une banque, on se met bah, du monde à l'état, à dos, quoi. Mais bon, on en fait trop, quoi. On se met les Braithwaite, on se met les Grey, on se met trop de monde à dos. C'est une nouvelle mission, ok. Non, première fois que je vais le finir, Commander. Ok. Moi, je trouve ça plus sympa quand il n'y a pas ma cam, hein, pendant les cinématiques, hein. Je suis désolé, hein. Je trouve que les plans, on les savoure encore plus. Je sais pas s'il y a une vidéo qui sortira le dessus LED. Ah bon, papa t'admirer. Bon, ça va, le reste du temps vous pouvez. Mais personne à dos vu qu'ils sont tous morts. Oui, mais bon, du coup, on a perdu un gosse là. On a perdu Jack. Waouh. C'est toi, t'es lent. Je peux même pas profiter de mon pur sang arabe. Merde. We can't change what's done. We can only move on. But one day, we need to start. On voit la moustache. Mouah, la moustache. Cuir moustache. Cuir moustache. Cuir moustache. Ah bah voilà. Bah au final on s'y est installé ici. Stylé. Putain, j'avais dit pendant la mission ce serait sympa qu'on s'y installe. Bah voilà. J'ai prédit l'avenir, j'ai l'impression. Excellent. Parfait. Liminal. Ouais, je sais l'end, mais il y a pas de vidéo qui sortira sur Liminal. Oh putain. Oh là là. Ish. Any more of you upstairs? I'm coming for you. You hear me? Where are you creeps? Non, j'ai un étendu à ma droite, je crois. I knew. Come soon enough. You are some of the coward. Ça marche. I think we're clear. Good. Come help me. Le jeu est bien, le jeu est excellent, mec. Ok. Il a cru que j'allais l'épargner parce qu'il avait pas d'armes. Miskin voulait parler. Qu'est-ce que je m'en fous? On n'est pas venu là pour parler, on est venu là pour dévaliser la maison. Oh non, faut pas que je prenne les cadavres. T'as confondu avec le manoir de... Non, pas du tout. Non, j'avais vraiment dit pendant... On a fait un truc dans cette maison. Je m'en souviens, on a fait un truc dans cette maison, j'avais dit ce serait sympa, il est sympa cet endroit. Non, il m'en reste deux, Benjamin. Jeter les corps dans les marécages au bout du ponton. D'ailleurs, en parlant de marécages, est-ce que ce serait... C'est un peu dangereux. Oh, il y a des alligators. Ouais, c'est dangereux d'habiter là, non?
Okay. Hey, I can deal with the rest of the bodies. You gonna meet up with the caravan? America! Fuck yeah! Voilà! Ici, ça bute des alligators avec de la dynamite! Ouais! Voilà! Là, on a des couilles! Putain! Je redécouvre. J'avais arrêté, j'avais pas fini le jeu la première fois en 2018, Dio. Ce sera la partie la plus longue ou dure sans toi. Les animaux, à mon avis. Les animaux. La plus dure, ce sera les médailles d'or, j'imagine. Moi aussi, j'aurais battu le vieux poivreau sans sommation. Oh, bien sûr, attends, il veut nous raconter sa vie. Il veut faire le mec mystérieux en mode, ouais, moi, je suis différent des autres. Oh là là! C'est nous qui allons finir la flotte, là. Dynamite fishing, made in USA. Yeah! Welcome home, all of you, to my humble abode. We got fine living. Ignore the corpses and the alligators, it's paradise. Il y a deux heures que tu vas te taper. Ça va être long, ouais. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, would you two kindly... work your magic. Would you too kindly? Ben voilà, on est pas mal. Enfin, on a un toit. Attends. Je viens de payer une amélioration de camp à $350 pour que 30 minutes après, on ait un toit. George? Yes. Could I have a word with you? Not now. Come on, Arthur. Bien sûr, Averax. Oh putain, mais... ça s'arrête jamais, cette mission-là. Enfin, cette double mission. Ah, Saint-Denis. According to the map, the road up this way should lead us right in there. All right. I guess this day ain't over yet. Not quite. Good work back there, Arthur. Everything went okay? Few loose ends. Merci, Linda. And John? About what you'd expect. He's taking it hard. Sandek. We are going to get that boy back, whatever it takes. I need you to turn him around in the city for Bronte. Subtly, of course. Public places, maybe start with the saloons. Anyone who can put us in contact with him. Of course. What about the Pinkertons? I'm fairly sure nobody followed us. We moved out fast. We should be safe for a few days here. And then? I think we need to move a little further. Put some ocean between us and all of this. The mess with those two families. Losing Sean. I see things differently now. Sean. For a long time. I truly believed a paradise lay somewhere in the west for us. But I just don't know anymore. Mec, tu es sur ma route là. Tu es sur... I'm still thinking about it. Whatever we do, we'll need more money. Putain, encore. Hold. Okay, there she is. There she is. Okay. Là, pour le moment, on dirait juste Tchernobyl. Tiens, je la voyais moins industrielle, la ville, hein. Big cities. They're always repellent. Exactly. I'll find you in there. Go see what you can figure out. Yes. Je pourrais plus avoir de Dark après le... après l'histoire. Ok. Chapitre... 3. Terminé. Début du chapitre 4. Saint-Denis. Leçon de diplomatie. Yeah. Ok. Tuer tous les pillards de Lemoyne à Shady Bell. Je les ai pas tous tués? Comment ça, je les ai pas tous tués? Ok.
Eh ben, j'ai l'impression qu'on a bien progressé aujourd'hui. Regardez-moi ça. Comme c'est... c'est beau. Comme ça sent le... la pollution. Le cancer. La malbouffe. Les prostituées à chaque coin de rue. Les clochards. L'industriel. Ça m'excite le sgeg tout ça là. Regardez, carrément il y a du brouillard. C'est nuageux tellement la ville est... est polluée. Enlève ta cam, c'est déjà enlevé. La tuberculeuse aussi, ouais. Waouh. Remets la cam. Oh, je remets, pardon. Ah, mais quelqu'un peut re-enlever la cam, s'il vous plaît? C'était stylé sans la cam. Welcome to Saint-Denis. Oh putain, il y en a des missions à faire, là. Ok. Ça, peut-être que je les ferai de mon côté, ces missions-là. Je les ferai sûrement de mon côté. Ok, j'enlève ma cam. Saint-Denis est égal Paris, une coïncidence, je ne crois pas. On dirait Paris, ouais. Regardez, c'est... ces véhicules qui se trimballent partout, là. Toutes ces réjections de CO2 dans l'air, là. Ça me dégoûte. Putain, c'est même l'ambiance sonore. Bon, je remets ma cam, alors. Bon, quelqu'un peut re-enlever ma cam, s'il vous plaît? Eh, hey, faites attention, les feux rouges! Putain! Ah! Oh. Ah, mais c'est Parigo! C'est Saint-Denien! La beubare! Mais là, je suis étonné que je ne me sois pas fait arrêter. Hein. Bravo! Bravo, les racistes! Bravo! Non, mais en vrai, le détail est vraiment bien, par contre. Alors, je parle vraiment que pour l'époque, mais du coup, les personnes à couleur sont visiblement à l'usine. Alors, c'est très sale, hein, mais c'est réaliste de l'époque. C'est une usine, ça. Oh, pardon. Ah bah, vous avez vu, un truc encore plus réaliste. Est-ce, pardon. 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 Alors, par contre, c'est moins réaliste. J'avais enfin, on s'en battait un peu plus les couilles quand on tue un noir à l'époque. Hein. Oh. Excusez-moi, mais oui, mais vous étiez sur mon chemin, j'y peux rien. Bon, bah voilà. Et ben voilà. J'ai tenu 5 minutes dans la ville. Et j'ai tué un gars. Et je suis recherché. Eh ben super. Oh, chier. Toujours plus propre que Poitiers. Non. Pas du tout. Non, non, Poitiers c'est très propre. Bon, bah voilà. Bon, bah c'est fini Saint-Denis. Voilà. C'est terrible cette ville avec les piétons partout. Bah ouais, moi je regarde un bâtiment et Vlatipa, qui est un passager, franchit le feu rouge piéton. Mais du coup, je lui rentre dedans et il est pas content. C'est quoi ça? Je suis en train de faire chier tout le quartier de Saint-Denis. La faune et la flore de Saint-Denis me regrettent déjà. Drama Twitter dans 5 minutes. Mais non, mais c'est juste RP par rapport à l'époque. C'est tout. C'est quoi cette maison là? Je vais aller voir ce que c'est. Good girl, good girl. Ta gueule! Ah merde, c'est sa queue. Ah bah putain. Ta gueule toi aussi! Pas vrai ça. J'en suis plus, nettoie ton cheval. Mais non, mais faut qu'il s'y fasse à Saint-Denis. Faut qu'il s'habitue, hein. Eh, hey, il a été trop traité à la belle étoile, la je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, mon cheval. Isabelle, là. À la belle étoile, qu'est-ce que je raconte, moi. Allez, je te nettoie. Ok, je la brosse. Ça sert plus à rien, en plus. Je peux même plus être plus pote avec elle. Bon, bref, mesdames et messieurs,
Je m'arrête là, il faut que j'arrête parce que j'ai encore la vidéo Rocket League à tourner pour ce soir. Et j'ai toujours pas fait. Progression, histoire. Bon, en tout cas, on a bien avancé. Je commencerai le chapitre 4 un peu solo de mon côté. Et puis, voilà, quoi. J'espère que ça vous a plu. On a terminé le chapitre 3. On commence le 4. Du coup, le 4, je le commencerai de mon côté. Je pense pas qu'il y ait grand-chose à faire d'intéressant.